Et on fait ça avec Patrice Rondel. On commence par qui? Quelqu'un qu'on connaît? Oui, on va faire un petit qui a dit quoi. Hein. Ah bon? Qui a dit, il faut trouver qui a dit quoi. Qui a dit? Parfois, je me revois dans le magasin familial, réveillé à 6h du matin par mon père pour aller livrer des journaux dans un hôtel. Je revois ces visages qui ne disent pas bonjour. Je revois la pièce de monnaie qu'il jette sur le comptoir et qui part rouler derrière. Je ne voulais pas de cette misère affective. J'aspirais à devenir célèbre pour combler le manque d'affection. C'est un acteur. Français? Oui. Son actualité, c'est qu'il est à l'affiche de La Mécanique de l'Ombre, un film de Thomas Krutoff. Oui, d'accord. L'histoire d'un garçon qui a besoin de bosser et qui retranscrit des écoutes téléphoniques. Cluzet. Oui. Voilà. Donc il retranscrit dans le film des écoutes téléphoniques sans poser de questions, sauf qu'au bout d'un moment, ça pose pas mal de questions, ce qu'il est en train de retranscrire. Et vous avez trouvé, il s'agit de François Cluzet. Grande et belle interview dans Psychologie Magazine. Il évoque son enfance. Hein, il est magnifique. Hein. Il est beau. Plus il vieillit, plus il devient beau, lui. Oui. Hein? Il va de mieux en mieux. Ouais. Il parle de son enfance, il dit que c'était un fardeau. Il se sentait écrasé par la dépression de son père. Puis, 8 ans d'analyse plus tard, ça va beaucoup mieux. Il est heureux. Et ce qu'il peut espérer de plus aujourd'hui, eh bien, il dit me réaliser dans le manuel et le spirituel. Alors, concernant le manuel, il fait des soudures, il faut le savoir. Il préfère dire ça plutôt que dire ouais, je suis sculpteur. Non, il fait des soudures. Alors, nos artistes ont des talents cachés. D'ailleurs, on va le voir avec ce deuxième qui a dit. Qui a dit « Quand je suis photographe, je suis propriétaire de mon regard ». C'est une actrice, elle a la quarantaine, et depuis l'âge de 11 ans, donc, elle est passionnée par la photo. On apprend ça en lisant Polka Magazine. Il s'agit de Audrey Tautou. Ah oui. Ouais, elle confesse avoir commencé à aimer la photo parce que petite, elle était passionnée par les singes. Et une de ses héroïnes était Diane Fossé. Et dit-elle... Je me souviens d'une photographie d'elle avec son appareil et ses gorilles. Elle était cachée dans la flore épaisse de la jungle. Je me suis projeté dans cette vie de photographe aventurière. J'ai demandé comme cadeau pour ma communion solennelle, un appareil photo d'adulte. Je l'ai eu. J'ai eu un vrai appareil. On me l'a offert. Je crois qu'elle développe aussi, non? Alors oui, elle fait tout. Et alors, le problème, c'est que dans Polka Magazine, on se dit, on va voir enfin les photos d'Audrey Tautou. Et là... Non, elle dit, moi, je photographie les gens dans la rue lors de mes voyages, les journalistes qui m'interviewent, mais quand on lui dit, montrez les photos, non, elle n'a rien à montrer. Alors, pour l'instant. Pour l'instant. Elle le fera peut-être un jour. Elle nous en montre quand même une. Regardez, cette espèce de chien-loup, voire de loup, allez savoir. C'est sa photographie préférée en ce moment. Elle est d'un photographe finlandais qui s'appelle Pentti Samalahti. Et elle l'a découvert lors des rencontres d'Arles en 2012. Voilà. Mais elle fera sûrement ça un jour. Qui a dit « Je ne ferme jamais entièrement mes volets électriques » parce qu'il y a longtemps, dans le grand appartement que nous occupions avec Jacques, attention, indice, j'ai été frappé de surdité soudaine. Cette nuit-là, j'étais seul et l'obscurité a décuplé mon angoisse. J'avais l'impression d'être enfermé dans un tombeau. Depuis, j'ai besoin de lumière, de bruit et de mouvement. Et il s'agit effectivement de... Françoise Hardy. Voilà. Et oui, Jacques, c'était l'indice. J'allais dire, c'est une chanteuse, elle s'intéresse beaucoup à l'ésotérisme, etc., etc. C'est Françoise Hardy qui s'exprime ainsi dans Gala. Elle a 73 ans, elle ne le cache pas. Il y a une jolie photo avec son fils. Oui, aussi. C'est vrai, c'est la page précédente. J'aurais dû vous la sortir. Elle n'avait pas la page précédente. Elle dit, j'ai pas de projet particulier, si ce n'est le plaisir de me promener avec mon fils. Déjà, on est content d'avoir la bonne page, nous. Oui, merci, pardon, j'aurais dû vous le dire avant. Merci pour tout ça, pour la lumière. Merci pour tout, la table plaisir. Qui ne s'écroule pas. Merci. Mais vous avez raison d'y faire allusion, parce qu'elle dit « Mon seul souhait, mon seul vœu pour 2017, c'est de pouvoir me promener au bras de Thomas, mon fils, dans les rues de Paris. » Et la photo la montre effectivement dans les rues de Paris, au bras de Thomas. Elle a frôlé la catastrophe. Et elle va bien. Qui a dit « Mon dernier film se déroule la nuit parce que c'est beau, une ville, la nuit. La nuit, tout ce qui est Edouard Baird. Forte. Moi, j'arrête, je démissionne. Alors, je termine quand même la citation. Il dit, la nuit, c'est joli, parce que la nuit, tout ce qui est laid est mystérieux. Ouais. Et puis, les gens sont plus disponibles. Ils ont rendu leur uniforme de travail. Et puis, la nuit, tout ce qui est laid ne l'est pas. Voilà. Ouais. Et alors, Edouard Baird, dont le film s'intitule... Ouvert la nuit. Ouvert la nuit. Voilà. Non, mais moi, je laisse tout. Hein. Elle est forte, là. Non, mais elle est un peu journaliste. Fallait me dire qu'elle était là, parce que sinon, j'aurais corsé le truc. Je te laisse, tu vas faire la